Yes! Merde. Et salut à tous, c'est Benoît et on se retrouve aujourd'hui pour le 11e et peut-être bien le dernier épisode de notre aventure sur Cryofear dans les Custom Campaign et peut-être bien même la dernière vidéo tout court sur ce jeu. Peut-être, c'est pas sûr étant donné qu'il nous reste quand même deux campagnes ici à tester. Dans la dernière vidéo, nous avons fait The Hole, qui était une campagne bien sympathique là, que j'ai renommé pour ma part Caveland, vu qu'il n'y avait que des grottes tout le temps, qui faisait bien flipper. Bref, c'était une bonne campagne comparée à les trois dernières qu'on avait faites. Même les 5 en fait, ouais. Même les 6, parce que Earth c'est vraiment de la merde. Ces trois là étaient vraiment bien, c'est vraiment les trois meilleurs je pense. Ouais, ces trois là c'était vraiment génial. Et celle-ci était pas mal aussi. Bref, vous l'aurez compris, 11e épisode, peut-être le dernier, ça dépend de la longueur de ces deux campagnes là. On va essayer de les finir dans cette vidéo-ci, si ça dure pas trop longtemps, on va essayer. Ça serait bien que ce soit la dernière vidéo, comme ça on pourra passer à un tout autre projet que je dévoilerai peut-être... Ah non, non, pas à la fin de la vidéo, non, non. À la fin de la vidéo, si je dévoilerai un truc, mais pas la prochaine série, voilà. Donc restez jusqu'à la fin, si vous voulez, les révélations, voilà. Mais pas toutes. Pour les avoir toutes, il faudra attendre une prochaine vidéo, voilà. Donc c'est parti pour The Stairway. Stairway, le voyage d'escalier. C'est comme ça que je traduis. Bref, c'est parti. Difficulté. Et là, cette fois-ci, je clique pas sur Easy. Vous êtes témoin, regardez, elle est là. Alors, je sais, au montage, en fait, dans la capture finale, on voit que ma souris, au moment où je clique, elle remonte là. En fait, c'est pas vrai. Moi, je le vois pas, ça. Vous le voyez, en fait, c'est un bug de souris. Parce que vu que je suis en fenêtré, je sais pas pourquoi il y a des bugs quand je clique. C'est d'ailleurs le bug qui fait que mon bonhomme bouge sa tête toute seule quand j'arrête de bouger ma souris. Tout simplement. C'est dû à ça le problème, en fait. Bref, on clique sur Medium. Voilà. Alors, que nous réserve cette petite campagne? Campagne, ouais, moi je le franglais. Bref, on regarde. Ah, on y est déjà? Ok, je pensais que c'était une cinématique, mais non, je bougeais tout ça, ma tête. Where am I? Oh, où je suis? Chapitre 1. Ok, alors ça sent bon ça. S'il y a des chapitres, ça veut dire que ça va être quand même assez long. Donc peut-être qu'il y aura encore un épisode après celui-ci finalement. Donc là, c'est encore assez sombre. Une petite musique bien relaxante. Bon, désolé pour la luminosité encore, je peux pas faire grand-chose. Là, il y a une porte. Ah, ok, c'est pour. Je veux dire, notre costume, voilà, le truc rouge, moi je l'aime bien. Je sais pas pourquoi j'aime bien le truc rouge, j'aime bien le rouge, mais je préfère l'orange, vous le savez bien. Alors, où sommes-nous? Ok, bon, là il y a un lit, je peux pas interagir. Ah, pas maintenant pour dormir, je dois devoir trouver un moyen de sortir d'ici. Ok, on défonce ça, m'en bats les couilles, je passe au-dessus. Voilà, ouais, j'ai une lanterne. J'aime bien cette musique, on l'entend souvent dans le jeu, elle est cool, elle est relaxante et elle te détend. T'as pas peur quand t'es avec ça. Sauf quand t'as ça devant toi. Mais un escalier, il faut sauter. Non, non, pas déjà. En plus, j'ai galéré à atteindre. Oh putain! D'accord. D'accord, c'est une course-poursuite en fait. Faut courir, il faut tout esquiver. Ok, d'accord. Ma pièce, mais comment je suis arrivé ici? Où je suis? Lève la tête. La musique n'est pas rassurante, il peut encore se passer des choses. Prends un flingue. Un, deux. Ok, go. Ça commence fort. Oui, tu vas nous suicider sinon. Voilà. Bien. Merde, c'est verrouillé. C'est dit basement, ok. Oh punaise. Oui, il m'a fait flipper. C'est un endroit tout éclairé, tout jovial, et pourtant il y a des monstres. Oh, une seringue là sur l'étagère. Ça, c'est cool. Ok. À quoi sert ce rideau? Regardez ça. Normalement, derrière ce genre de rideau, qu'est-ce qu'on met? Des baignoires pour se laver. En plus, vous remarquez le rideau qui n'est même pas attaché au plafond, mais qui est attaché au mur, mais qui tient parfaitement en gravité. Ceci est fuck la gravité. Bonjour, nous sommes dans Minecraft. Ah non, non. Autant pour moi, j'avais pas vu, c'est une barre métallique derrière. Donc du coup. Ah oui, ça fait ça, oui. Pardon. Autant pour moi, donc c'est logique. Désolé. Mais c'est pas logique qu'il n'y ait pas de baignoire derrière. Voilà. Bref. Hypothèse de merde, on continue. Cette campagne a l'air assez mouvementée en tout cas. Ouais. Je sens que c'est une campagne où on va pas arrêter de croiser des monstres. Quoi? Pourquoi j'ai perdu de la vie? Quoi? Pourquoi je perds de la vie? Qu'est-ce qui se passe? Ouais, attendez, les gars, quand j'arrive à un certain endroit, mon bonhomme il perd de la vie. Attendez, j'ai rechargé avant. Je sens qu'il y a un mec avec une tête de livre pas loin. Il est où? Et c'est quand j'arrive ici, regardez. Ah non, là.
Bah, what the fuck? Je perds plus de vie maintenant. C'est le cadavre de la madame qui me faisait perdre la vie ou quoi? C'est quel fuck? Alors, sur la table, je vois un truc. Ah, c'est un chargeur, ça c'est pas mal. Je reprends mes deux trucs tant que je peux. What the fuck? Je peux ouvrir la porte? Il faut aller où alors? Faut revenir en arrière? C'était pas le bon passage? Mais je reviens ici sinon, et là-bas? Bah non. Je ne dois pas retourner par là. Bah ouais, c'est bien ce qui me semblait. J'ai dû louper un truc. Ah, j'ai dû louper une clé. Il y a une clé à ramasser quelque part que j'ai dû louper. On va mieux fouiller, attendez. Non, j'ai dû louper une clé quelque part. Quoi? Mais là, j'ai ramassé une clé, je sais même pas où. J'ai appuyé sur E au pif en regardant la poêle en me disant oh, peut-être que je peux la prendre et j'ai ramassé une clé. Tout va bien. Bon, bah voilà, moi c'est fait. Hop. Finalement, la porte est déverrouillée. Un monstre! Non, mais il fait glauque. Ok, alors. Oh! Punaise, mais arrêtez de faire ça! Oh, enfoiré. Oh, mais arrêtez! Voilà, je. Oh là, ça va mal pour moi dans cet épisode. Si c'est le dernier, en tout cas, il est intense, hein. Bref, on va essayer pas traîner, sérieux. Non, 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 non! Arrêtez avec cette tronçonneuse à la con! Oh là 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 là, et t'as, elle est costaud dans cette campagne. Là, il n'y a pas de porte derrière moi. Ok, j'ai nulle part moi. Je viens en mode je me téléporte. Bon bah. Je sens venir chapitre 2 là. Même pas. Seringue, chargeur, sauvegarde. Ça c'est bien ça. Cette campagne c'est du lourd les gars, c'est du sérieux là. On rigole plus, on rigole plus. Qu'est-ce que c'est que ça? Pourquoi il y a. Ah ok, y a un bouton là. D'accord. Ah voilà, chapitre 2, j'en étais sûr. Ok, y a, les chapitres sont courts, ça c'est une bonne nouvelle. Attendez, j'ai commencé à quelle heure? Oh non, pas ce genre de musique. J'ai commencé à quelle heure, je sais plus. Tant pis, on va improviser. On n'a pas encore un labyrinthe, sinon je pète un câble. Oh putain, ok d'accord. Ah, ça va, c'est pas un labyrinthe. Ok, y a des passages qui se ferment derrière moi. Qui se ferment, bien sûr. Ah mais c'est simple. Pour les bébés ça. C'est que ça. Il y a une main qui tient une lampe de poche. Donne-la moi enfoiré. Hey, c'est du troll ça. Je veux la lampe de poche. C'est bien plus pratique que cette lanterne de merde. Eh hey, donne-la moi. Enfoiré de merde. Tu vas me donner cette. Non il veut pas. Bon. Ouh. Et toi mais c'est des mecs C'est quoi ça, c'est pire que des Formule 1 là, leur vitesse. Ok, laisse-moi passer. Monsieur tout nu, au revoir. C'est une campagne où il faut beaucoup rush, j'ai l'impression. C'était quoi ce bruit? Oh! Mais punaise, mais j'en ai marre! On va recharger, on va appuyer sur le bouton qu'il y a là. Allez, ça suffit. Tais-toi. Oh là là. On va utiliser une seringue là, parce que j'ai pris cher, on en a 3 quand même. Ah non, 2. N'exagérons pas, mais c'est déjà bien, 2. C'est déjà bien, c'est très très bien. Ok, tout va bien. Machine de sauvegarde avec un chargeur, ça c'est bien. Tout va bien, mais oui, tout va absolument bien, les gars. Tout va bien, no panique. No panique. Faut sauter. Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Il y a un mec à la tronçonneuse dans le coin, mais je le vois pas. Il est où? Il est où ce con? Mais il est où ce... Oh oh! Il est là-dedans, voilà. Salut! Non! Couché vilain! Ta gueule, non! Tu m'auras pas! Tu m'auras pas, je connais les techniques pour te tuer, mais non!
Voilà, t'es nul. Allez, on se barre. Attendez. Oh, ouvre la porte, allez, ouvre la porte. Allez, ouvre, il va pas l'ouvrir. J'aurais aimé faire un no échec pour cet épisode, mais vraiment. Il y a des trucs là-bas aussi. Et merde. Et merde. En fait, ici, il n'y a que eux. Ah, il y a des trucs là derrière. Ah, il y a une clé. Putain, il fallait la clé qu'il y a là pour ouvrir la porte, sûrement. Je suis sûr que c'est ça. Bordel de merde. Là, je suis dans la merde parce que j'ai pas ramassé les armes là-bas. Et c'est plus important. Ouais. Il y a une clé, une seringue. Viens là. Crève, 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 crève. Faut recharger. Le truc va s'abaisser, je le sens, il va falloir courir. Non, non, c'est bon. Crève, crève, et crève. Voilà. Donc là, il y a un machin à tronçonneuse qui va apparaître juste derrière moi. Donc on va se grouiller. Dépêche, 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 dépêche. Ouvre, ouvre, ouvre. Mais merde, il pète la porte, le con. J'ai pas de lanterne. Je vois rien. Oh, mais salut toi. Ta gueule. Oh, oh. Le temps de finir ça. Ouais. Je suis d'accord. Ah, j'aime cette musique. Oula, pas mal de stuff là-dessus. Yes, ça c'est nickel. Yeah. J'aime bien la musique qui passe là. Bon, la question est, est-ce qu'on passe par la porte ou est-ce qu'on descend là? Bon, je préfère les endroits les plus rassurants d'abord. Ah ok, c'est juste pour ça. Encore en plus, je m'y attendais. Mais quoi comme autre truc pour qu'on change un petit peu? On va mettre celui-là une fois. Ça en change un peu pour une fois. Ok, vu qu'il fait sombre, je préfère prendre ça avec ma petite lampe. Qu'est-ce qu'il y a en bas là? Je peux sauter là, je prends pas de dégâts. Oui. Il y a un monstre qui va me faire peur. Même pas. Bon, ici. Quelqu'un qui pleure. Donc la tronçonneuse qui va arriver de nulle part, je le sens. C'est hyper prévisible. Il y a juste une porte là. Il y avait un truc par terre, merde, j'aurais dû le ramasser. Oh non, putain, quelqu'un a verrouillé derrière moi. Putain, j'avais deux choix de chemin. Peut-être qu'il y avait un truc différent de chaque côté. On saura bien assez tôt. Enfin, peut-être pas en fait. Alors c'est quoi ça? Pourquoi il y a un bloc là? J'étais sûr que ça allait se péter. Je sais pas ce qu'il y avait derrière moi, mais on a vu un mec à la tronçonneuse. Il va péter la porte derrière moi, non? Non. Je sauvegarde. C'est des lits ça, non? Non, on s'en bat, Lexi, il y a des lits aussi. Salut toi, qu'est-ce que c'est que ça? God the Furious. Poum, poum, oui. Je n'y vois que dalle, il faut pas prendre ça, c'était un piège pour faire changer d'arme. Non, mais ça c'est l'entrée. On va essayer d'économiser nos balles. Toi je m'en fous. Toi je m'en fous. Vous, je m'emballais aussi, je m'emballais de vous tous! Bande de noobs! Ah, restez, c'était. Waouh, c'est dur là!
Black Maze, ah ok, j'aime bien leur labyrinthe. Hein. Bon, le problème c'est que je n'y vois rien si je prends pas ça, donc on y va. Allez, on le fait bien cette fois-ci. Aïe. Tentation de suicide, on s'y attend. Clic, 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 clic. Laisse-moi passer, connard. Oh. Regardez la vie qui me reste. Putain. Fouh. Alors là, on n'a jamais eu aussi chaud de notre vie. Très bien. Je m'en serais bien tiré au final. Bon, je suis où là? C'est la queue de ça qui dit. Ah ben non. J'ai envie de la vie. Oh. On reconnaît bien cette scène. Hein. Le fameux flashback de la campagne solo. Un homme qui est toujours, enfin, qui est devenu asthmatique. Hein. Ah, j'ai trop de balles. Putain, 10 chargeurs, ouais, quand même. Et voilà. Je pense qu'on n'a jamais eu autant de balles dans un flingue depuis le début de la série. J'ai pas mal de flingues dans l'M16 aussi. Ouais, putain, les gars, là, on est bien équipés. Mais je préfère celui-là parce qu'il a une lampe. Et... Oh, arrête, espèce d'asthmatique, là. Bon, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Allez, on a plus peur, on y va. Ok, c'est encore un monde de fête, c'est ça? Ouais. Oh, un mur. Mais encore. Waouh, un mur. C'était magnifique. Monte, 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 monte. Ça charge quelque chose. C'était juste un rêve. On utilise ça dans toutes les campagnes. Oh, j'ai même pas fait exprès. Ouais, j'ai un téléphone. Yeah. Ah, j'ai plus de stuff. Ah, j'ai plus que 3 emplacements. D'accord. Bon, bah, je vais par là. Et la boue, ça fait peur. Oh, blabla. Ah, bah, on connaît cet endroit. Pourquoi on revient ici? On n'y est pas encore. Merde. Une petite musique sympa encore. Des pilules. Ok. C'est pas notre maison, ça? Ça ressemble à notre maison dans le mode solo. Elle ressemble, mais c'est pas le même endroit. Ouais, elle ressemble un petit peu. Attendez, ça... j'ai une saleté sur ma souris que j'ai enlevée. Voilà. On va suivre le chemin glauque, hein. Comme d'hab. C'est juste un rêve, donc maintenant c'est fini. Ah, je ne peux pas marcher là-bas, j'ai besoin d'une voiture. Ah, pardon. Une voiture. Et on peut rentrer dans cette maison. Mais ouais. Un fusible, tiens. Quoi? Pourquoi quand je ramasse un fusible, il y a des messieurs avec des haches qui apparaissent genre oh, un voleur, faut le tuer. Et voilà, Benoît n'a actuellement plus de vie. Un chargeur, magnifique quoi. Moi j'aurais préféré une seringue, enfin bon. Ah bah attendez, mais ça c'est vrai. Donc genre, c'est pas de la folie, c'était juste un rêve. C'est normal, on rentre chez les gens, on vole leurs affaires. C'est normal que les propriétaires viennent avec leur rage pour essayer de nous buter, c'est normal, il n'y a rien d'anormal putain. On va se tracasser. Oh. Quoi? Non mais tout va bien. On go this home. Pourquoi la musique elle pète un câble? C'est pas normal. Je peux aller là-bas? Non. J'ai besoin d'une voiture, ouais, vous êtes bien. Ah, peut-être que je peux ouvrir un garage. Non. Celui-là? Non plus. J'ai loupé un truc chez moi. Pam, 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 pam.
Ah, je peux aller là-bas. Ça sert à rien. Je ne comprends pas comment me sert ce fusible, ni où se trouve la fameuse voiture que je cherche. Non, mais jusque-là, on n'est pas fou, c'est bon. Il y a juste des propriétaires qui veulent me tuer parce qu'on a volé un truc dans leur maison. Attendez, j'ai dû louper un truc dans la maison là en fait. Hein. Peut-être qu'il y a moyen d'accéder au garage et que j'ai pas fait gaffe. Ouais, celui-là. Non. J'ai loupé quoi, les gars? Putain, on est bloqué, ça y est. Qu'est-ce que j'ai loupé encore? Ah, mais là! Putain de bordel de merde. Voilà. Oh! On va se calmer. On se calme. Wow! Je me bloque pas. Voilà, une voiture, oh, ouais, c'est parti. Boum boum, mais c'est la fin de la campagne et merci d'avoir joué, on peut enchaîner avec la suivante et finir la série, c'est ça? Non? Je sais pas. Oula. Cette animation de voiture est très bien faite, dis donc. Je pense que c'est la fin, souvent quand tu as cette musique là, c'est que c'est la fin d'une campagne, donc j'y crois. Suspense. Eh ouais, je le savais. Bah du coup, elle a pas été très longue. Attendez, je vais vite regarder combien de temps on en est pour être sûr, les gens. Ouais, 21 minutes, allez. On enchaîne avec l'autre et on termine la série aujourd'hui. Allez, qu'est-ce qu'il raconte là? Quel est le fuck? Qu'est-ce qui se passe ici? Qu'est-ce qui se passe pour moi? Quand je me suis réveillé, tout était mort, mais j'étais dans ma chambre avec mon ordinateur qui était éteint. Maman et papa ne sont pas à la maison. Ils sont certainement sortis, mais quelque chose ne va pas. Qui le gars? Oui, ce jeu. Et pourquoi il a-t-il essayé de me tuer? J'ai juste voulu partir trouver quelqu'un pour m'aider. J'espère que je ne suis pas une scène enfer mauvais. C'est juste merde, juste merde à suivre. Ah, et la seconde campagne, c'est la suite peut-être. Et c'est bon, on a compris, to be continue là, sinon c'est quand que je vois mes stats. On est mort combien de fois? Deux fois, je crois. Je crois qu'on est mort deux fois. Ça va encore. Alors mes stats. Ah là, regardez, c'est pour une fois en bas, regardez, choisi normal. Je sais pas. Bref. J'ai tiré 82 fois, mais je n'ai touché que 36 fois. J'en ai raté donc 46. J'ai que 43%. Oh, pas bien, Benoît. Tu es un mauvais viseur là pour une fois. Pas bien. Vous pouvez m'insulter de noob. J'ai utilisé 2 seringues. J'ai sauvegardé 5 fois en ayant trouvé 7 armes. J'ai pris 300 dommages, donc j'aurais pu mourir 3 fois, mais les seringues m'ont sauvé, donc je ne suis mort que 2 fois au final. J'ai traversé 2,4 km, ce qui prouve bien qu'elle était relativement courte, vu que ça m'a pris que 16 minutes 5 pour finir la campagne. J'ai tué 3 ennemis à la mêlée et 9 aux armes à feu, avec la difficulté normale. Merci d'avoir joué. Ok, les gens, ça y est, nous y sommes enfin. Nous arrivons à la toute dernière custom campaign, ce qui veut dire que c'est la dernière chose que nous allons tester sur Cryofear avant ma prochaine série. Je ne dis pas encore c'est quoi la série, vous aurez une bande-annonce qui arrivera d'ici quelques jours normalement, qui expliquant ce que sera la prochaine série. Un indice, ce n'est pas... Enfin si, ce sera une série, mais ce sera différent de tout ce que j'ai fait pour le moment. C'est un type de jeu que je n'ai pas encore fait, et c'est un jeu auquel je compte tester plusieurs épisodes du jeu. C'est-à-dire qu'il y a eu des suites à ce jeu-là, beaucoup de suites, et que je veux faire quasiment tous les jeux de cette série de jeux, tout simplement, que je dévoilerai d'ici quelques jours dans une vidéo annonce ou une bande-annonce, j'en sais rien, on verra. Bref, maintenant nous abordons la dernière custom campaign, hop, medium encore, voilà, c'est parti pour la toute dernière de l'aventure. Alors, j'espère qu'elle n'est pas trop longue parce qu'on a déjà bien commencé. Ah, ça commence déjà. Le temple de Shaymoon. Oula. Oula, oula, oula. Oula, où sommes-nous? Ok, ok. Je suis un petit feu de camp dans une espèce de tombeau, je sais pas quoi là, avec des cris chelous. Je prends ce machin. Ah ouais, d'accord.
intelligent, Benoît. Salut. Y a rien. Non, bon. Je vérifie vite fait qu'il n'y a rien dans les tentes à ramasser. On a que je peux prendre lire le papier. Use pour si d'être quoi? Où c'est un papier? Ah oui, là. Non, c'est quoi? Ah, il y a une seringue, j'avais même pas vu. Elle était bien cachée. Et où c'est un papier? Un papier là-dedans? Il doit y avoir un papier quelque part que j'ai pas vu, les gars. Je vais finir par le trouver. Mais non, encore. C'est peut-être pas un papier, c'est peut-être des hiéroglyphes sur des murs, c'est genre ce machin-là. Non, ça c'était une porte. Pas grave. Ouh. Bruitage exceptionnel. Oh mon dieu, qu'est-ce qui s'est passé ici? Je vais prendre ce couteau. Oh! Ah bah oui, si je prends le couteau, bah je vois plus rien, forcément. Espèce d'imbécile. Je vais me demander ce qui se passait. Toi, t'as des saucisses autour de toi. Ouais, t'es moche aussi. Elle est pas encore un labyrinthe, hein, sinon je pète un câble, moi. Non, c'est bon. Ah d'accord. Juste libérer d'autres passages. Là on va à gauche. À moins qu'il y était déjà et que j'ai pas vu. Ok, porte de droite d'abord. Il y a quelque chose à l'autre porte, sur le coin des de l'autre côté. Je pense et je ne veux pas y aller. D'accord, il pense qu'il ne peut pas y aller et ne veut pas y aller. Ça va se casser. Bien fait de sauter. Oula. J'ai sauté, je sentais que ça allait se casser. J'ai eu un bon réflexe. Bien joué, Benoît. Un monstre. Ah non, encore un cadavre. Ah, avec un flingue aussi. Je préfère un flingue. Ah merde, il a pas de balle. Bon, faut trouver des munitions maintenant. Pas encore un labyrinthe, hein, s'il vous plaît. Putain, les gars, ça ressemble encore à un labyrinthe. Avec des portes partout et tout. Là. Qu'est-ce que je vois de ça? Tu ne veux rien. Ça a l'air important. Il y a une note, ça a l'air important. Quoi? Ah là? Non. Ça? Non. Là? Non. Ah là! Prends note du piège. Et au second aussi, tu devras tester les pièges et voir s'ils fonctionnent encore après que tu aies plusieurs années. Le sol du piège du second étage a toujours besoin de fonctionner, mais pour le moment, ici, la solution pour le piège, d'accord. Apparemment, il y a un seuil, il faudra marcher sur des trucs, donc il faut aller. Sur le deuxième, en partant de la droite, on avance une case et puis on va à gauche, 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 presque jusqu'au bout. Mais je pense qu'elle va dans mes notes, dans mon inventaire, non? Ah ben non. Mais ça, c'est méchant. Donc, il faut retenir. Donc c'est là, pouf, et puis j'ai presque jusqu'au bout, la deuxième rangée. Ok, et c'est à l'étage, ça. Ah, d'accord, je pensais qu'il y avait un étage là-bas, mais non. Ah. Quelqu'un va traîner quelqu'un, ouais. Mais je peux pas passer. Parce que mon personnage est trop con pour ramper. C'est triste, mais... C'est ainsi. Allez, on va essayer de comprendre un peu de ça. Ça a l'air un peu casse-tête. On va essayer de retenir un peu tout ce qu'on trouve. Sophie, merci Dieu, tu vas bien. Ah bah voilà. Bonjour. Qu'est-ce que c'est que ça? Je finis en gagnant. Use the glowing to save. Strange. Glow to it. What if, si je la touche, quoi? Ah, d'accord, c'est une machine de sauvegarde la statue. D'accord.
Mais ouais, il y a un truc là dans son cul qui. Il y a une lumière rouge à ses pieds. Ah, pas mal ça, d'avoir changé la texture de machine de sauvegarde. Bon, maintenant j'ai une pelle, je sais pas à quoi elle va me servir. Des trucs que je peux creuser ici? Non. Non, bon. D'or a l'air verrouillé. Il doit y avoir un levier pour l'ouvrir. Putain, c'est énigmatique là, cette campagne. Moi j'aime bien les énigmes, sauf quand elles font flipper. Ah, c'est là derrière qu'il y a eu la traînée de sang. Il me semble que je vois un truc là derrière qui me regarde. Je suis là voir une silhouette qui me regarde au coin du mur là. Ça fait flipper. Oh. Ça m'inspire pas trop confiance. Il va y avoir un truc qui va se passer. Non? Même pas. Bon bah du coup, j'ai un chargeur. Et en plus. Mais ça me dit toujours pas comment je peux ouvrir ça. Il a parlé d'un levier. Qu'est-ce que c'est que ça? Rien du tout. J'ai loupé un levier, j'ai loupé un étage, j'ai loupé quelque chose. L'échelle là, je peux la prendre ou pas pour la poser quelque part? Non, je peux pas la prendre. Ils avaient parlé d'un deuxième étage là dans la note ici. Ils avaient dit second floor. Avec un piège et tout. Mais c'est où? Parce que par là, je peux visiblement pas passer du tout. Et là à droite, y avait... enfin à gauche, il y avait un mec qui m'observait, ça faisait flipper. Il passait sa tête en mode. Oh, qui est-ce? Mais j'ai peut-être loupé un truc. Ah mais attendez, j'ai une pelle, peut-être qu'il y a un endroit où je peux creuser du coup, attendez on va chercher. Donc c'est cette porte là qu'il faut trouver à moins d'ouvrir avec un levier, d'accord. Donc, une pelle pour creuser. Est-ce que je peux revenir en arrière? Oui. Mais ça sert à rien vu que je suis bloqué. Parce que le poncet est cassé du coup. Non là c'est là où j'ai trouvé la pelle. Ben non. Ah! Bonjour, qu'est-ce qu'il y a toi? Voilà ta gueule. Qu'est-ce que vous êtes moche, madame? Hé! Hey! Tu viens d'apparaître toi? Non, non, je me suiciderai pas. Ça sert à rien. Ça sert à rien. Putain, mais je t'avais déjà tué. Pourquoi t'as réapparu, trou de balle? Ok, elle réapparaît à l'infini. On va pas rester là. Ouais, ouais, y a toujours l'autre là qui m'observe du coin du mur là. Il faut que je le tue peut-être. Ça sert à rien. Putain les gars, je suis bloqué. Peut-être ici que je peux creuser? Non. Là-dedans? Je peux regarder. Il y a une caisse chelou là-dessous. Elle sert pas à quelque chose cette caisse? Non, ça c'est la note qu'elle a. Est-ce que je peux? Non. Ah, ça m'énerve ça de pas trouver. Qu'est-ce que j'ai loupé, les gars? Ah, oh, ça m'énerve, ça. Genre creuser au pied de la grille pour passer en dessous. Ça m'a l'air con, ouais, je sais, surtout que le sol n'est pas du tout en terre. Ici, c'est du sable, je peux creuser. Putain. Bon, je vais aller essayer là-bas, je vais essayer de creuser... ici. Ouais, non mais non, je t'inquiète pas, je me suiciderai pas, je me suiciderai pas, je me suiciderai pas. Non, non, il y a vraiment rien ici, peut-être dans l'eau. Ah, il y a un chargeur en tout cas dans l'eau. C'est
toujours du bien se fouiller, ça. Ah, et là aussi. Mais que ça coûte rien de fouiller. Hein. Quoi? Je suis reparti en arrière et je suis revenu ici. WTF. Il me semble que quelque chose me regarde. Ouais, ouais, c'est ce que je disais. Je le vois. Mais ça ne me dit pas par où faut-il que je passe, bordel de merde. J'ai dû louper un truc tout con. Là-dedans, il n'y avait presque rien à faire, là, par une machine de sauvegarde à la con pour une immense pièce. Ça me semble un peu bizarre. Peut-être qu'il y a un endroit où je peux creuser et que j'ai pas vu. Je vais vérifier. Ça m'énerve, ça, d'être bloqué. Hein. Ah non. Je peux interagir avec le truc là au milieu. Bon, écoutez, les gens, je vais vous faire une ellipse et on se retrouve au moment où je trouve l'astuce. Voilà, donc, à tout de suite, je vous laisserai le passage, évidemment, où je retrouverai soit le levier, soit à quoi sert l'appel, tout simplement. A tout de suite. Ok les gens, j'ai trouvé. Il fallait utiliser la pelle sur la porte. C'est parfaitement logique. En fait, j'aurais même pas eu... J'aurais à peine eu besoin de faire une ellipse. Parce qu'en fait, l'ellipse peut durer 15 secondes. C'est pas une façon de parler. Alors là, par contre, je flippe. Ok, les bruits se sont déjà arrêtés au moment où j'avançais. C'était n'importe quoi. Bouh! Don't one disturb me. Oula. Alors, on va essayer de ne pas les tuer. Pour essayer de... Mais je pense que j'ai pas le choix. Ça va faire apparaître un truc là-dessus. Oh! T'as pas de tête. J'ai entendu un passage s'ouvrir, il y a un truc qui s'est ouvert. Il y a un passage qui s'est ouvert, les gars, j'ai entendu une porte s'ouvrir. Le problème, c'est qu'il faut que je recharge, là. Ah, c'est bon, on y voit clair. Ok, on voit clair. Enfin, clair. On voit. Pas clair, mais on voit. Ah, c'est ça au milieu qui s'est ouvert, d'accord. Je recharge, on sait jamais. Bon, on y va. Ah, alléluia. Ah, alléluia. Oh, une momie, une momie. Et une deuxième. M'en fous, j'ouvre la porte. Ok, d'accord, ils se mettent aux momies maintenant. Oh putain de merde, oh putain de merde, oh putain de merde. Il y a un truc qui s'est tombé sur ma gueule. On voit leurs yeux dans le noir, c'est bien ça. T'attends ta tête. Ça m'a passé. Voilà. Pfiouh. Ok. Attendez, parce que ma souris elle a du mal à répondre, là, je sais pas trop ce qu'elle a. Je te donnais des gros coups là pour qu'il tourne sa tête d'un coup. Alors là il y a de l'or on dirait. Oula. Et de l'or bizarre, quand je m'en approche, ça brille bizarrement, ça fait un arc-en-ciel de... Ouais, je comprends pas trop ce que je vois en fait. Ok, ah c'est, bah si, regardez, c'est une des statues qui est sur les côtés qui est tombée. Non. J'en sais rien. Ah voilà le levier. Oh. Une porte qui s'ouvre. Il y a une échelle là-haut aussi, je pense qu'il y a une machine de sauvegarde. Ah. Ok, d'accord, je peux monter comme ça l'échelle en mode YOLO. Ok, c'est toutes les deux des machines de sauvegarde là. D'accord. Bon. Écoutez, tout va bien. Ah, ok, c'est pas là, il s'ouvre. Attends, il y avait deux passages, ça veut dire. Il y avait quoi de l'autre côté là-bas alors? Oh non! Putain! Ah, quel con! Bon, je peux pas retourner en arrière. Il y avait des monstres chelous, mais j'ai pas eu le temps de voir, ça allait trop vite. Oh non.
Séance de jump, on va crever plein de fois. Bon, à la limite, ça m'arrangerait de crever, comme ça je pourrais aller voir ce que j'ai loupé de l'autre côté. Ok, alors. Là, avec des munitions. Là aussi. Ça va, c'était facile. Putain, j'ai un œil qui pleure tout seul, je comprends pas pourquoi. Boum. Qu'est-ce que t'es, toi? T'es qui, toi? Hein? Merde, j'ai plus de balles. Attends, tu permets que je recharge, s'il te plaît. T'inquiète pas, ça sera pas long. Je recharge juste et puis je te tue. Regarde. Hop, ouais, c'est fait. Ah, t'as de la vie quand même. T'as pas de barre de vie au-dessus de ta gueule, mais. T'as de la vie, connard, ouais. Est-ce que je peux te tuer au moins? Y'a pas une porte pour que je puisse me barrer? Une dernière balle était mort. Non, d'accord. J'aurais essayé. Ah, y'a une grille là, regarde, tu veux pas me l'ouvrir? Non, d'accord. Non, je te proposais gentiment, hein. C'est tout. J'y vois que dalle, mais non, t'as vu? C'est ta faute, ça. Ok. Allez, viens là. Voilà. Donc là, la grille. Ah, non, y'a un truc là-bas. Qu'est-ce que c'est que ça? Il y avait un livre, mais je pouvais pas plus le lire. Oh, où je suis là? Je suis tombé dans de l'eau. Et là, il y a des machines de sauvegarde. D'accord. Ah, Beneath the Pyramid. D'accord. Ah, il y a un levier là encore. Putain, mais la porte de tout à l'heure, alors j'ai. La grille, là, je pouvais pas l'ouvrir avec le truc qui m'observait. Vas-y, c'est des machines de sauvegarde, ça va. D'accord. Alors là, il y a une par là, une par là de porte, et il y a un levier là avec moi qui tombe dans l'eau. Et je suis pas sûr qu'il y a un truc sous l'eau. Non. J'en sais rien. Est-ce que ça s'ouvre ça? Non. Ça s'arrange une chose. Est-ce que le levier je peux l'activer? Je suppose que oui. On va voir ça. Ça ouvre cette porte là. Oh! Il y a des pièges derrière. Et cette porte là, est-ce que je peux l'ouvrir? Non plus. Et en face là, il n'y a rien. Ok, donc c'est par là d'office. Avec un autre levier. Qui va désactiver les pièges. Ah, ça ferme la porte qui est derrière moi. Pratique. Je cours! Ça s'ouvre cette porte là. Putain, on se croirait dans Tomb Raider là. Avec des énigmes, des. J'ai flippé pour rien. Des leviers, des tombeaux et tout, c'est Tomb Raider. Oh putain, je me suis fait avoir. Je me suis fait avoir. Là, peut-être que certains d'entre vous n'ont pas compris, mais moi j'ai compris. C'était la salle d'énigmes avec les pièges, avec la circulation à suivre. Quel con. Quel con. Merde, j'ai même pas. Ah non, c'est bon, ça active plus le truc là. J'ai même pas regardé comment je traversais et j'ai cru que j'allais mourir, mais non, c'est bon, le truc a bugué. Du coup, je me souviens du parcours, c'est celui-là, puis celui-là, puis celui-là, celui-là et celui-là. Je peux y aller là maintenant. D'accord. Bon bah, c'est reparti pour un troisième essai. Donc le truc là il bug toujours ou pas? Ouais, bon bah tant mieux. Youhou. Voilà, bon bonjour. Donc nous dit. Putain, laisse-moi passer. Donc là-bas il y a un levier, je vais l'atteindre. Donc c'est ici. Là. Là et là 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 là. Et d'ici il faut sauter là-bas en fait. Youhou. Ah bah oui. Donc j'active ça. Ça ouvre quoi? Ah, la porte qui est près des deux statues de tout à l'heure. Il faut y retourner, je suppose. Je pense que je. Quoi? Qu'est-ce qu'il a dit? Le piège. Confuse gave. And move. Qu'est-ce que j'ai fait? Merde, je l'ai activé une deuxième fois. Pas grave. Bon, j'y vais. Ah, c'est la porte se ferme! Non! Ouh!
compris. Le pilier qui a dû tomber sans que je m'en rende compte. Et une porte. Faut trouver un moyen de l'ouvrir. Bah, j'aurais peut-être dû sauvegarder. Ah bah trop tard, les portes sont fermées. Ah fait chier. J'ai plus le droit à me foirer maintenant, ça va être chaud. Ok. Bon là clairement c'est une salle de boss. J'ai activé le levier là, un monstre. Ah, c'est une séquence de jump, attendez. Quand j'ai activé ça, ça abaisse ça. Faut que j'aille vite dessus. Ok, d'accord, je vais être assez vite. Donc là, je le baisse. Et hop. Voilà, et monte. Mais... pourquoi ça marche pas? Je comprends plus rien, là. Yeah. Monte, voilà. Et là, on saute là-bas en face. On saute là-bas. Ok, les trucs s'abaissent. Oh putain, j'ai eu chaud. Je pense qu'ils s'abaissent sous moi sans que je me rende compte de que j'ai enchaîné. C'est chaud. Bref, on atteint un levier. Attends, on joue à Tomb Raider, les gars. On joue plate à Cry of Fear. Ok, c'est Tomb Raider version fait peur là. J'ai même pas compris quelle porte j'ai ouvert. J'entends des monstres. D'accord. Merde, j'aurais pas dû passer par là. J'arriverai pas à descendre par là. C'est par là qu'il faut descendre. Hop. 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 Non, laissez-moi tranquille, bande de con. Raté, je peux plus sprinter. Ouvre-toi, Suzanne. Voilà. Ah, 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 ah. Passe, passe. WTF. On s'en balèque. Ça, c'est en train de se fermer la porte. Pas grave, je suis passé. Ah, ah. Ah, c'est un cul-de-sac! Ça s'ouvre? Non, ça s'ouvre pas. Ça m'a enfermé. Je suis enfermé. Ah, il y a des passages secrets. Ah non, c'est à moi de pousser les murs en fait. Mais putain. Voilà. J'ai rien compris. Pas grave. Ok, je suis où? Salle de boss ou chapitre 3? Salle de boss ou chapitre 3? Salle de boss ou chapitre 3, décidément. Salle de boss ou chapitre 3? Monsieur moustache avec des symboles chinois. Oui, c'est des chinois. Un boss ou chapitre 3? Machine de sauvegarde que j'aimerais aussi, ça fait longtemps là. Oh putain. Ok, je vais essayer. Entrée 34. Ça fait depuis deux jours. Il essaie de sortir avec beaucoup d'amis, collègues et des amis proches. Mort et quelqu'un qui le croit, mais quand il a survécu. Il a échappé de cette chose, mais malheureusement, il est tombé dans le souterrain des parties de cette pyramide. Je vais mourir aujourd'hui, si seulement un mauvais patron ne vient pas. Tout, enfin, ouais, ne vient pas dans cette stupide trip. Je comprends pas, professeur Sophie. Quoi? Professeur Sophie. Si je survivais je vais construire moi-même près du lac Kirkville. Entrée 35, j'entrais dans le souterrain des parties de cette pyramide. Manie de ce beast, il y a beaucoup de bêtes. To kill pour tuer certains d'entre eux, mais ils sont... je l'ai fait moi-même ici dans cette balle quoi, avec un saignement de mes bandeaux sur la tête.
Je ne pense pas que je vais survivre à ça. Si quelqu'un lit ça, pour avoir quelque chose, hein, s'il te plaît, suis-les. Putain, il faut suivre quelque chose, mais le mot est caché par une tache de sang. Ou bien alors, il faut suivre les traces de sang. C'est l'un ou l'autre. Bref, ouais, j'avance. Soit il faut suivre les traces de sang. D'accord. Il y en a 4 tronçonneuses qui arrivent, je l'entends. Faut courir. Merde, je suis mort. Il est où? Il est là. C'est bon. Tout va bien. Faut aller au milieu, c'est petit. Ah non, je croyais. Mais non, mais lol! Non! J'ai pas eu de machine de sauvegarde depuis hyper longtemps, les gars. Non. Oh non! Bon les gars, là clairement, je vous fais une ellipse et on se retrouve à ce moment-là. Désolé là, putain, on va me retaper tout ça, c'est hyper long, je sais pas si vous vous rendez compte. Bref, à tout de suite les gens. Ok, re tout le monde, voilà, donc on se retrouve ici, c'est parti. Je vais essayer de faire gaffe maintenant. Ok, donc j'ai compris l'astuce, maintenant on y va. Allez go. Bouh, tu me fais pas peur. C'est à gauche. Ah, un utilisateur a rejoint ma diffusion publique, c'est génial. Je suis en live. Ah, c'est par là. Qu'est-ce qui s'est passé? Je vois rien. Non, je veux pas mourir. C'est un cul de sac, faut pas qu'il me touche. Par là, c'est le seul endroit où j'ai pas été. Suis les traces de sang, mais oui, quel con. Non! Putain, c'est verrouillé. Non, mais sérieux, c'est par où? J'ai fait tous les chemins là-bas, c'est un cul-de-sac, on est bien d'accord. Oui. Putain de merde. Faut pas que j'arrive à zéro dans ma barre de sprint, fais gaffe, venez. C'est pas par là. Putain de mes couilles. Je suis en train de me retaper encore, putain. Bon, j'avais fait une sauvegarde sur le bon chemin de retour pour passer directement ici, ok. Mais... ok, au revoir. Bon, les gens, c'est relou qu'ils aient pas mis de sauvegarde à cet endroit-là. Du coup, j'ai encore me retaper cette scène. Bon, je vous retrouve de suite. Ok, bon, une nouvelle fois on se retrouve ici, donc c'est parti, hein, on enchaîne, on ne pose pas de questions, c'est parti, allez go. Donc, c'est par où? C'était pas à gauche? Enfin, si, ici c'est à gauche. Et puis c'est par où? Moi je pensais que c'était par là, mais là il y a un truc qui me bloque la route. Donc c'est pas ça. Si je retourne en arrière. Mais non! Ça me saoule de tout recommencer à chaque fois. A tout de suite les gens. Allez, pour la 4e fois. Donc putain, ça me casse les couilles, je perds 2 minutes à chaque fois. Bref, à tout de suite. Bon, cette fois-ci, si j'y arrive pas, je pète un câble. J'ai intérêt à ce que j'y arrive, là j'en ai marre. Qu'est-ce qu'il faudrait faire? J'étais partout. Putain, ça me saoule. Bon bref, on va y aller. C'est parti. Donc c'est pas à droite, on le sait bien. Ici, bah, je peux aller que par là. Il me semblait que c'était par là, peut-être qu'il faut aller plus à gauche. Non, c'est... on peut pas aller par là, d'office. Par là, c'est un cul-de-sac, il me semble. Là, il y a un chemin, putain, il faut suivre les taches de sang, ben, il faut tuer. C'est ça. Par là. Allez, s'il vous plaît, j'en peux plus là. Je pense que j'ai loupé un chemin. Non, c'est bon. C'est verrouillé, quoi encore? Non! C'est à en devenir complètement zinzin. Ok, bon, on a déjà une bonne piste là. Donc il y a des chemins très sombres qu'il faut repérer. Attends, d'accord, j'y penserai pour le 5e. Oh putain de mes couilles. Pour le 5e essai. Bon, à nouveau, je vais vous dire tout de suite les gens. Bon, ce coup-ci on connaît une bonne partie du chemin, donc cette fois-ci on y arrive. Allez go, on va essayer de faire plus attention aux traces de sang par terre. Parce que je sens que j'ai dû en louper, donc là. Ah ouais, à chaque croisement il y en a une, faut faire plus attention. Là ici, au croisement, c'est à droite, à gauche, je vais dire.
À droite, je le sens bien. Alléluia! Wouh! J'attendais pas. Non! C'est une blague, hein? Non! Seigneur! Attendez, c'est quoi ça? Il y a un bug énorme pour la fin, les gars. Oh! Je suis mort! Mais j'ai gagné! J'ai gagné en même temps que je suis mort, c'est trop énorme. Bref, conclusion. Roderick était emprisonné dans le temple avec nulle part où aller et avec ce qui ressemble à la mort qui le suit peu importe où il va. Il les attend pour son cauchemar, c'est dans son enfer, son comme ça. Ils sauront beaucoup de choses sur la continuation de ce CC. Prépare sa face de l'Égyptien, de l'horreur égyptien, comme tu ne l'as jamais, comme jamais vu avant. Je crois que c'est ça. Le sombre du désert, que tu fasses tes ennemis, que tu n'as jamais. Je suis très nul en anglais, putain. Et attends, et essaye mettre en défaite donc le pharaon sous lui-même, Shaymoun, et sauver l'Égypte d'un horrible fait. Et Shaymoun, le domaine d'Égypte. Ouais, d'accord, j'ai pas eu le temps de lire. De rien. Mais mes stats. Mais. Il y avait mes stats. Pourquoi j'ai pas pu les lire? Je les ai vus qu'une seconde. Même vous, il faudrait que vous fassiez pause sur la vidéo pour pouvoir les lire. Oh, mais je suis deg, j'espère qu'on les verra après. Bon, bah écoutez les gens, dans tous les cas, on a terminé les deux campagnes. Bon, celle-ci aurait été très relou sur la fin, là, avec cette phase de merde. Bref, c'était pour me donner un peu de challenge pour la fin. Oui, c'était le dernier niveau du jeu. Ils avaient quand même pas mettre un truc simple, c'est normal, je les comprends. Bref, de rien. Dis encore merci, donc j'en dis de rien. Voilà les gens, c'est donc la fin de cette aventure sur Cry of Fear, donc la fin des coups de flip pour moi. Voilà, je suis trop content. Bref, franchement c'était une belle expérience. Ah si, voilà, mais les statistiques qui sont superposées avec le game over, toujours, c'est magnifique. Du coup, j'ai tiré 60 fois et là j'en ai touché 51, c'est bien mieux. 9 donc de raté et donc 85% de précision, ça c'est bien. 0 seringue utilisée, Benouille est un pro game master et ouais. Je sais même pas si j'en avais une. Je pense que si j'en avais chopé en plus. Hein. Oh pardon. J'ai sauvegardé 4 fois, j'ai trouvé 4 armes. J'ai pris 228 dommages. Normalement je me traite mon oreille, voilà. Du coup j'aurais pu mourir 2 fois, mais je ne suis. Je suis mort combien de fois? Oh. J'ai parcouru 2,67 km, j'ai fait. Bon, on voit pas très bien, mais c'est 21 minutes, je le devine. J'ai tué 0 ennemi à la mêlée. Ah quoi, j'ai tué aucun ennemi à la mêlée, tiens ici. Et 9 aux armes à feu. Difficulté choisie, normal. Elle était sympa quand même. Hein. Pas mal de petites énigmes et tout ça, ça change un peu d'habitude. Oh, comment je sors de là? J'arrive pas à sortir de là parce qu'il y a le bug du load game et du exit superposé. Du coup, je vais devoir faire comme ça. Ça revient au même de toute façon. Voilà les gens, on a maintenant terminé Cry of Fear. Dites-moi en tout cas vos avis de cette petite série qui aura duré combien de temps, tiens? 3 mois et demi à peu près. Je dirais 3 mois et demi à peu près. On a commencé vers le début des grandes vacances. Même un petit peu avant. Ouais, 3 mois. Ouais, au moins 3 mois. Sûr. Voilà, donc moi qui détestais les jeux d'horreur, maintenant, c'est un type de jeu que j'apprécie un peu plus, dans le sens que c'est marrant. Parce que tu as peur et c'est marrant d'avoir peur, tu vois. Mais je pense pas que c'est le genre de truc que je ferais pour mon propre plaisir. À faire en vidéo, c'est marrant, parce qu'avoir peur pour soi-même, je vois pas trop d'intérêt. Mais comme ça, ça peut être marrant. Comme ça, vous pouvez partager les frayeurs avec moi et partager des coups de fou rire, parce que vous pouvez vous foutre de ma gueule quand j'ai peur, parce que j'ai souvent peur pour des conneries, je le sais bien, j'ai l'habitude. Enfin, vous avez l'habitude surtout que moi qui ai peur pour rien. Mais j'ai quand même moins peur que dans le temps. Quand on voit ma vidéo des 50 abonnés, je pense que vous vous en rappelez tous, hein, d'un moment épique, hein, mais j'ai pas besoin de vous en parler. Si jamais vous n'avez pas vu, je vous recommande d'aller voir. Vous comprendrez très rapidement après avoir vu la vidéo de quoi je parle, voilà. Sinon, pas grand chose d'autre à rajouter. C'était chouette, un jeu, je vous rappelle, gratuit sur Steam, donc n'hésitez pas à aller y jouer également si vous le voulez. Voilà, c'était donc Cry of Fear. Maintenant, je vais donc vous expliquer un peu
comment ça va se passer sur la chaîne. Donc, étant donné que j'ai fini Cryo Fear, donc il ne reste plus que Trackmania pour le moment qui est en cours, donc Trackmania Nation Forever. Alors, comment ça va se passer? Je vais vous expliquer. Donc, il y aura une nouvelle série qui va commencer sur un nouveau jeu, tout simplement. Comme je l'ai dit tout à l'heure, une suite de jeux qui a eu beaucoup d'épisodes dans sa série. Si je ne me trompe pas... Attendez, je vais essayer de compter combien il y en a. Attendez, laissez-moi quelques secondes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Il y a eu 11 jeux de cette série-là. C'est quand même beaucoup. C'est un type de jeu que j'aime énormément et que j'ai plus que hâte de vous faire part. C'est des jeux que je pourrais enfin, pour la première fois, filmer sur console. Ça, c'est un truc dont j'attends depuis très très longtemps. Donc, c'est pour bientôt. Là, je serai beaucoup plus fort, vous verrez. Je serai beaucoup plus fort sur console. Je suis beaucoup plus fort que sur PC. Vous aurez enfin les preuves que donc, je dis depuis des années. Voilà, donc, les projets. Donc, en attendant... Ah oui, ça, j'ai oublié d'en parler. On a fini une série, donc vous allez me dire... Ah, t'as fini Cryo Fear, donc tu vas faire un The Enduring sur Cryo Fear, ça veut dire... Alors... Non, je ne vais pas faire de The Enduring sur Cryo Fear, mais je vais quand même faire un The Enduring à la fin de chaque série, comme je l'ai dit dans une vidéo il y a longtemps, ça fait plus d'un an. Je ferai un The Enduring à la fin de chaque série terminée. Mais, j'avais dit que ça serait souvent un The Enduring sur le jeu même. Étant donné qu'on a tout fait dans Cryo Fear, ça ne vaut pas la peine de faire de The Enduring. T'as dit, ouais, mais tu peux télécharger d'autres maps et tout sur Internet. Non, ça vaut pas la peine. Je vous le dis clairement, ça vaut pas la peine. On ne va pas faire de The Enduring sur Cryo Fear. On en a fait un sur Minecraft. C'est faisable en survie, il y a moyen de faire pas mal de choses. On en a fait un sur le MMORPG Minecraft. Il y a un moyen, parce qu'on n'avait pas fini la série, c'était même presque impossible de la finir. On n'a même pas eu le temps de la finir dans le The Enduring. Et j'étais même encore loin de la finir, et même encore maintenant je suis loin de la finir, voilà. Et une sur Trial Evolution, donc vous voyez c'était la fin de chaque série à chaque fois. Même s'il y a certaines séries qui n'ont pas eu droit à The Enduring, c'est vrai. Il y a certaines séries Minecraft qui n'ont pas eu de The Enduring, c'est vrai. Mais toutes les séries très grosses qui ont vraiment eu un gros impact sur la chaîne ont eu un The Enduring. Mais Cryo Fear n'en aura pas, car j'estime qu'on a déjà fait pas mal de choses sur le jeu, qu'on ne peut pas en rajouter grand chose, ça serait trop répétitif. Alors c'est vrai qu'il y a le mode Nightmare, je vous rappelle, qui est ici. Ça vaut pas la peine, c'est juste refaire le jeu mais en difficulté extrême. Ça vaut pas la peine, donc on va pas le faire. Alors qu'est-ce que je vais faire comme The Enduring? Je vais répondre à votre question. Eh bien, je vais jouer à un jeu indépendant. On va tout simplement faire une partie sur un jeu. Vous découvrirez ça bientôt. Je ne vais pas vous... Ah, quoi que, est-ce que je vous le dis ou pas? Non, je ne vous le dis pas. Vous le verrez bientôt, je vais vous faire un The Enduring sur un jeu indépendant, donc que vous verrez donc très très bientôt. Voilà, tout simplement. Et donc on essaiera de faire une partie, et je pense que lorsqu'on aura perdu la partie ou qu'on aura gagné la partie, on aura fini The Enduring, à savoir qu'une partie dure très 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 longtemps, donc suffisamment que pour faire un The Enduring. C'est pour ça que j'ai choisi ce jeu là je ne dis pas lequel, vous le verrez dans une vidéo assez prochainement. Et autre petite annonce de projet, il y a aussi une nouvelle série Minecraft qui va bientôt commencer. Voilà, comme ça vous le savez. Oui, d'ailleurs pour The Versus, vous l'avez remarqué, la série a pris fin. C'est triste, je suis désolé. Je ne voulais pas qu'elle s'arrête, cette série, mais ce n'est pas ma faute. Si vous devez engueuler des gens, allez engueuler Dexios ou Roxas, même si Roxas, il n'en peut pas trop grand-chose, ou Deslek. Bref, les trois sont plus ou moins fautifs, mais chacun a une excuse, sauf Dexios. Donc, c'est surtout Dexios qu'il faut engueuler si jamais vous êtes triste que The Versus est terminé. Voilà, sur ce, les gens, on va se laisser là. Donc, une nouvelle série Minecraft prochainement. Un The Enduring prochainement, une nouvelle série sur un tout autre jeu de différent, encore une fois, et peut-être même bientôt un nouveau BD. Peut-être, j'en parle avec Dexios, on a quelques idées. Peut-être qu'on vous fera bientôt un nouveau BD. Donc vous voyez, il y a plein de choses qui vont arriver sur la chaîne prochainement, maintenant que Cryo Fear est terminé. Donc soyez actifs sur la chaîne, je compte sur vous pour voir toutes les nouveautés et y participer. Allez, sur ce, merci à vous d'avoir regardé cette série sur Cryo Fear. C'était Benouille, on se donne rendez-vous pour une nouvelle vidéo. Allez, merci d'avoir regardé, et je vous dis à très bientôt. Allez, ciao tout le monde.